We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all? Hi girls, so today I'm gonna show you a simple look just to go to school or to go to work or whatever, just when you don't have time in the morning, when you're in a hurry and you want to do quick and easy, that's the makeup you want to go for. So I'm gonna show you a tutorial. It's just gonna take you 5 minutes to achieve this look. So if you're interested in this video, then keep on watching. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage de l'extrême ou maquillage comme si j'étais une beauty guru ou maquillage de j'ai jamais fait ça de ma vie. J'avais envie de changer aujourd'hui et de vous proposer quelque chose que je vous avais jamais vu sur ma chaîne, c'est-à-dire quelque chose d'ultra travaillé. Si j'étais brune, peut-être comment je me maquillerais, parce que je remarque que peut-être les brunes se maquillent plus que les blondes. En tout cas, j'aurais plus de facilité à me maquiller comme ça, beaucoup, si j'étais brune que blonde. Je sais pas si ça vous fait ça, dites-moi en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec les images. Je commence donc par maquiller mon teint avec un fond de teint de chez Guerlain. Donc je l'adore, je l'utilise depuis des mois maintenant et je le trouve vraiment très couvrant. Et ensuite je vais corriger mes cernes et mes imperfections avec un correcteur de chez Too Faced que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis super longtemps également. Ensuite je vais poudrer tout ça avec une poudre blanche translucide. Donc là peu importe la marque, à chaque fois je trouve qu'elle matifie bien le visage. Donc je trouve ça vraiment top, c'est indispensable pour moi. Ensuite je vais venir bronzer mon visage, donc je vais vraiment y aller fort cette fois-ci. En général je le fais pas trop, mais là cette fois-ci j'ai décidé d'y aller fort comme c'était un maquillage vraiment à l'opposé de ce que je fais d'habitude. Je mets ensuite du blush un peu corail sur mes pommettes et enfin je viens terminer mon teint avec de l'enlumineur. Donc celui-ci vient de la marque BK, je le trouve vraiment parfait. Ensuite je vais dessiner mes sourcils, donc je vais les faire plus épais que d'habitude pour encore une fois changer mon visage. Donc je les fais avec une palette Sleek que j'ai depuis des années. Et ensuite avec un crayon Anastasia couleur chair, je viens redessiner encore une fois mes sourcils en passant par dessous. Et je viens estomper ça avec un pinceau. On s'attaque maintenant au maquillage des yeux. Donc comme je vais mettre pas mal d'ombre à paupières, je décide de mettre d'abord une base à paupières Too Faced. Donc je commence avec une couleur assez claire sur ma paupière mobile que je viens ensuite estomper avec un pinceau estompeur. Et ensuite cette fois-ci je vais faire quelque chose de cuivré, donc très marqué au creux de mon œil et sur le côté. Donc j'ai pas l'habitude de faire des maquillages comme ça comme vous me voyez dans les vlogs. Normalement je mets juste du mascara et ça suffit. Donc là j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment très prononcé. Donc voilà, je fais comme un triangle au niveau externe de mon œil avec un pinceau cuivré que je viens ensuite encore une fois descendre sous l'œil. Ensuite je mets des faux cils Huda Beauty, ils sont vraiment énormes. Personnellement je ne porte pas souvent de faux cils, soit je les fais en institut ou soit enfin j'en porte jamais en général des faux cils, donc ça me change vraiment le regard. J'ai ensuite ajouté du mascara Too Faced, j'ai aussi rajouté du l'eyeliner L'Oréal à l'intérieur pour à l'intérieur de mon œil pour mieux que les faux cils se fondent avec le maquillage. Et ensuite j'ai dessiné ma bouche avec un crayon Huda Beauty, je crois que c'est la teinte Famous, et un gloss Huda Beauty. J'adore vraiment ces rouges à lèvres, je les trouve top, la tenue est super bien. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.